Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pas très longue, mais c'est pour vous montrer le DP que j'ai choisi pour à la suite de celui que j'ai terminé. Voilà, on va y arriver, je me mélange les pinceaux dans la... Oui. Donc après la fée papillon que j'ai terminée, donc j'ai choisi de faire un autre DP. Peut-être que vous vous rappelez, il n'y a pas tellement longtemps, je vous ai fait une unboxing avec des DP où il y avait des grenouilles. Voilà. Donc j'ai choisi un des DP, il y en avait deux avec des grenouilles. Donc j'en ai choisi un. C'est celui, c'est la grenouille qui prend sa douche. Voilà. Donc j'ai choisi celui-là, bon je le mettrai, je vais l'encadrer après quand il sera terminé, hein, on va déjà attendre de le faire. Ce sera donc pour mettre, là, hop, suivez mon doigt, ici. Là c'est la porte de ma salle de bain, voyez, alors attendez, avec ce doigt-là ça ira mieux. Là c'est la porte de ma salle de bain, donc là ça ira... Pour celui que je vais faire cette fois-ci, donc la grenouille avec la douche, et là où il y a un petit cadre rouge, donc là il y a déjà un cadre pour les toilettes. Donc j'ai la grenouille aux toilettes, donc là je laisserai le cadre rouge qui est, c'est un cadre, c'est une broderie que j'avais faite d'Isabelle Vautier pour marquer. C'est un cadre de porte que l'on fait, que l'on brode pour les toilettes. Donc, il restera là, mais je ferai, quand je ferai la grenouille des toilettes, là, il ira à l'intérieur. Voilà. Ce sera bien. Il aura sa place dans les toilettes. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Pour l'instant, on va faire celui de la salle de bain. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas me voir le commencer. Je voulais juste que vous voyez quelle toile j'allais faire. Allez, j'ai un chat dans la gorge. Donc je l'ai déjà repassé. Voilà, vous vous rappelez, hein, moi je repasse toujours mes toiles. Donc à l'envers, un torchon éponge et mon fer à vapeur. Donc, vapeur douce, hein, même le fer en coton, c'est pas très grave. Mais on y va franco, hein. Allez pas tout doucement avec votre fer. Je vous remettrai un lien ici, quelque part, pour vous montrer comment je fais pour repasser mes toiles avant de les faire. Voilà. Et donc, vous verrez, juste en version un peu rapide, parce que sinon ça va être long, la préparation de mes perles. Voilà, je vais préparer mes perles et vous verrez que j'ai fait une connerie à un moment. Je sais pas, bon, il y avait la télé qui fonctionnait, donc je regardais la télé, il y avait Chouchou qui me parlait en même temps et je mets des perles dans un pot et puis je parle, je sais plus ce que je fais et je referme pas le pot, je le remets pas, je reprends pas à nouveau, donc je laisse le pot et je prends un nouveau sachet puis j'ai mélangé deux couleurs. Donc, après la vidéo, donc je les ai mis de côté. Et après la vidéo, il a fallu que je trie. Ça m'a pris ça m'a pas pris 2 heures. Hein, mais bon, ça m'a pris quand même quelques grosses minutes pour trier les perles. Heureusement, c'était vraiment deux couleurs tranchantes. Donc ça a été facile à faire. C'était un beige et un rouge bordeaux, donc ça va. Par contre, je me suis aperçue d'un petit souci avec cette toile. Arrivée à la fin, je n'ai pas la dernière couleur. Il me manque la dernière couleur. Donc j'ai renvoyé un message. À la boutique, donc la boutique c'est la pardon, Craft Art Club. Bon, ça peut arriver, hein, ça arrive à toutes les boutiques. Hein, voilà,
Ça peut arriver qu'il y ait un sachet qui a zappé, hein, qui... Donc là, j'ai envoyé un message tout à l'heure à la boutique. Je vais attendre leur réponse et voir s'ils me renvoient un sachet couleur. Enfin, j'espère. Sinon, ce serait pas bien, hein. Je vous le dirai. Je vais vous tenir au courant, hein, pour ça. Donc, il me manque la couleur numéro 27. Donc, c'est en référence. Alors, je sais plus ce que ça donne comme couleur. C'est le 38-64, donc c'est des perles rondes. Mais je ne vois pas ce que ça donne comme couleur, j'ai pas regardé dans les nuanciers. Ça doit être du beige, je crois, ça doit être dans les tons beige clair ou beige plus foncé, je ne sais pas, mais ça, je crois que c'est dans les tons beige. Donc c'est rien, je le commencerai, et puis en attendant que je reçoive le sachet de la boutique. En espérant qu'il me l'envoie. Sinon, ben, je demanderai aux copines sur le groupe de DP, sur mon groupe de DP, que si elles peuvent me dépanner encore. Sinon, je regarderai aussi, moi, dans mes perles, dans mon stock de perles, si je n'ai pas. Je vais peut-être regarder même avant si j'en ai pas pour pouvoir, parce que je sais qu'il y en a déjà au début du kit à mettre. Donc je vais regarder dans mon stock de perles si j'en ai. De temps en temps je regarde, c'est parce que ce soir il y a un film de Belmondo à la télé. Sniff Belmondo. Mais bon. Donc, dans mon stock, ouais, j'en aurai peut-être, je ne sais pas. Enfin, on verra. Je vous tiendrai au courant pour cette histoire de perles qui me manque. Voilà. Donc là, vous allez voir que je vais préparer les perles dans ma petite valisette. Donc la vidéo n'est pas extraordinaire cette fois-ci. Mais voilà, je voulais vous montrer la préparation. Et donc cette semaine, j'attaque ma grenouille. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaira quand même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me laisser vos questions, vos commentaires, ça se passe en dessous de la vidéo, comme d'habitude. En barre d'infos, je vous remettrai le lien de la boutique et je vous remettrai également le lien du kit, si jamais il vous intéresse. Voilà, et je sais plus si j'avais un autre lien à vous mettre. Alors, attendez, je vérifie. Je vérifie. Je recherche dans mon ancienne vidéo. Je recherche dans mon ancienne vidéo. Je pense que j'avais un autre lien, mais hop, 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 hop. Ça c'est qui? Non, c'est pas toi. Il n'y a pas de grenouille là. Je cherche une grenouille. Ah, sans là mes grenouilles. Voilà, j'ai retrouvé mes grenouilles. Alors, non, c'est ça. J'ai juste à vous mettre le lien du kit, voilà, et le lien de la boutique. Oui, c'est parce que des fois, il y a des boutiques qui donnent des liens de réduction promo, mais là, bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, hein, bon, tant pis. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour le démarrage officiel de ce kit de la grenouille sous la douche. Voilà. Allez, à bientôt. Gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage. Bisous, bisous.